Yo la famille, ça va ou quoi? On est là, on se retrouve sur Minecraft. Et ouais, ça faisait tellement longtemps, on reprend la visite des serveurs. Donc là, je suis avec Curuxo, les familles. Ouais, ma petite gueule. Salut à tout. Ah si si, voilà. Toute sa chaîne dans la description, direct les frères. Donc là, on refait des petites visites des serveurs. Donc je suis dans le serveur à Curuxo, la famille. Je vais vous faire voir quelques petits trucs qu'il a fait en plusieurs vidéos sûrement, pour pas dépasser 5-10 minutes, parce qu'après c'est trop long. Et si vous avez des bons serveurs et tout à faire visiter, je suis tout le temps partant, les frères. Donc là, on est chez Curuxo, comme je vous ai dit, trois fois. On va visiter une petite Bugatti, les frères. Voilà la petite Bugatti. C'est bien ça, ma petite gueule. Exactement ça. Ah, si, si. Elle est très belle, hein. T'as mis combien de temps pour la faire? En même temps, je fais des petites interviews en même temps, les frères. T'as mis combien de temps pour le faire? Bah, j'ai passé 2 jours dessus, peut-être entre 8 et 10 heures en tout. Ah ouais, quand même, hein, ça va. Et t'as fait ça parce que t'adores... C'est ta voiture préférée, ça? Pas ma voiture préférée, mais disons qu'en fait quand je l'ai fait, le lendemain j'allais au salon de Genève et j'allais en voir une en vrai. Du coup je me suis dit tiens, faut que je la fasse sur Minecraft, comme ça je suis prêt pour demain, je la verrai en vrai. Et même de côté elle est belle, hein. Non, ça va, bien joué. Et du coup c'est quoi ta voiture préférée, toi? Alors ma marque de voiture préférée, c'est une marque suédoise assez peu connue, mais ça s'appelle Koenigsegg. Ah, je connais, hop, je connais pas du tout. Koenigsegg, bon, c'est une marque, c'est assez connu, surtout pour ceux qui jouent à Forza ou à des jeux de voiture, parce que c'est une marque qu'on commence à voir pas mal dans les jeux de voiture maintenant, mais c'est vrai que c'est pas une marque trop connue non plus. Ah, bien joué, moi c'est Mercedes, classe G, j'adore les 4x4. Dites-moi dans les commentaires, ouais, les frères, 4x4, votre voiture de vos rêves, mais vraiment de vos rêves. Donc là, on est chez Curuxo, comme je vous répète, les frérots, tout dans la description, si vous voulez bien mettre un petit pouce bleu sur sa dernière vidéo, vous abonner, et pourquoi pas mettre un petit hashtag Bruti dans les commentaires, comme ça on verra que la visite elle a vraiment servi. Ah, elle est vraiment bien en fait, ta petite Bugatti. Donc là il y a une Bugatti, les frérots, à côté. Je vais pas vous dire qu'est-ce que c'est comme voiture, je vais vous laisser vous manifester dans les commentaires. Je fais la visite de la Bugatti et je vais vous faire la rouge, et c'est à vous de me dire qu'est-ce que c'est. Elle est vraiment bien faite, hein, sérieusement. Donc moi c'est Mercedes Classe G. Dites-moi aussi, tiens, dans les commentaires, qu'est-ce que c'est votre préféré. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça ferait plaisir à moi et puis aussi à Curuxo, ça lui ferait voir qu'il a fait du bon boulot. Ah, j'aime bien, hein. Sérieusement, tu l'as bien faite, hein. Le devant était assez compliqué parce que je voulais vraiment que ça fasse symétrique avec les espèces d'escaliers là pour faire un peu arrondi. Ouais, t'as dû galérer un peu avec le relief, ça c'est pas faux. Tout ça avec des blocs, les frères, hein, dans Minecraft. Hein. Vous imaginez que, ouais, tu commences, tu poses un petit bloc, t'en poses un deuxième, tu vois pas du tout à quoi ça ressemble, et à la fin ça te fait ça, frère. Regarde. Hop, Bugatti. Ah, j'aime bien, sérieusement. Fais voir les jantes. Non, vraiment bien fait. Les jantes sont assez simples quand même, mais ça donne un petit effet, j'aime. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Bah voilà les frères, hein, j'ai repris un petit peu les vidéos Minecraft, hein, visite des serveurs, visite des objets insolites, sérieusement. Si vous avez des trucs à me faire voir, manifestez-vous dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je ferai des vidéos. Ah ouais, non, il est vraiment bien fait, ton Bugatti. Je vais pas faire des vidéos par contre de 10-15 minutes à chaque fois, hein. Je vais voir en 7-8 minutes quand c'est un objet. Ah, c'est... T'as vraiment bien géré la crise. Ah, mais il manque les pots. Ah non, j'allais dire il manque les pots d'échappement, mais non, ils sont là. Non, ils sont là, ils sont là. Ah ouais. Propre les potos. Tu peux casser un carreau pour rentrer à l'intérieur vite fait. Oh là là, vous avez vu. Même... Ah ouais, il y a l'intérieur, fais voir. Ah bah oui. Ah ouais, regardez les compartiments moteur, toi, t'es ouf. Regardez, ah, ça gère, il a même fait l'intérieur. Ah, ça t'as géré parce que l'extérieur encore c'est peut-être faisable, facile à faire. Mais après quand faut que tu modifies, tu fasses l'intérieur, c'est autre chose. Oh là là. C'est sûr. Ah, t'as géré, c'est trop beau. Sérieusement, t'as même mis les pédales. Ah ouais. Putain, c'est bon les frères. Vous aimez bien ou pas dans les commentaires? Moi je pense que vous allez bien aimer, c'est vraiment bien fait l'intérieur. J'ai pris du bois pour faire un peu la couleur du cuir. Ouais, c'est ça. Ça fait trop beau. Non, t'as vraiment bien géré l'intérieur. Purée. Ah, le petit rétro. Oh là là. Ah, j'adore, j'adore. Non, t'as vraiment géré la crise, gros. Il aurait peut-être manqué une petite paire d'enceintes. Bah, les enceintes, je crois qu'en vrai, elles sont sur les portières, donc après... Ouais. Parce qu'en fait pour la faire je me suis inspiré d'une Bugatti que j'ai en miniature en fait, assez grosse échelle. Et du coup j'en avais une en 3D devant moi pour vraiment bien voir les détails et tout ça.
Et à ton salon de Genève, quand tu l'as vu, t'étais content? Ah oui, j'étais plutôt content, ouais. J'en avais une en face de moi comme ça. C'était propre, franchement c'était bien. Si vous pouvez me donner une petite note sur 10, la famille, pour me dire si vous la trouvez vraiment bien faite ou pas. Moi, si je dois mettre une note sur 10, sérieusement, je mets 9,5. Parce qu'on peut pas mettre 10, mais un bon 9,5, elle est vraiment bien faite, les frères. Ah, attends, j'ai pas vu pourquoi c'est tout blanc là. Ah non, c'est bon. 9,5, parce que le relief, il est là, la couleur, elle est là, il a fait l'intérieur, il y a les petits détails, tout. 9,5. Ah non, ils sont où les clignotants? Du coup, t'es sorti là? Ouais, je suis sorti. Moi, je devrais... Ouais, 9,5. 9,5, c'est vraiment propre. Parce que le devant, comme le côté, comme l'intérieur, il est vraiment bien fait, les frères. Ah ouais, 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 t'as géré Curuxo. Ouais, merci à toi. Bon, allez, maintenant, je vais vous faire une petite question, les frères. Je vais vous faire voir la deuxième voiture, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Vous allez peut-être plus reconnaître par l'arrière, mais je vais d'abord vous faire voir l'avant. Voilà, les poteaux. Ça, c'est l'avant. Peut-être que vous allez reconnaître avec les deux bandes, déjà. La Bugatti, elle est vraiment terrible. Ça, c'est le devant. En fait, t'as fait des voitures parce que t'es un grand fan de voitures, toi. C'est ça. Dac, dac. Voilà le devant. Je sais pas si vous arrivez à reconnaître. Et moi, en je vous le dirai. La rouge, j'ai une surprise. Voilà, regardez les frères. Ah, le côté, il est bon. Le côté de la rouge aussi, il est bon. Sérieusement. Ça reste quand même vachement carré, mais c'est vrai que ce genre de voiture, c'est même carré en vrai, donc... Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Au final, de base, c'est assez carré comme voiture, donc tu peux pas trop faire autrement. Et là, je vais vous faire voir le derrière. Normalement, vous allez retrouver. Moi, je vais pas vous dire qu'est-ce que c'est comme marque de voiture, parce que je sais c'est laquelle. Je vous laisserai vous manifester dans les commentaires, me dire c'est quoi le véhicule rouge. Vous marquez le véhicule rouge, c'est tatati tatata. Mais normalement, là, rien quand vous allez voir l'arrière, si vous êtes des bons connaisseurs, eh ben, vous allez reconnaître. Allez, c'est parti. Voilà les amis, là normalement vous avez tout reconnu. Mais n'oubliez pas de me dire dans les commentaires la note pour la Bugatti entre 0 et 10. Me dire si vous avez des serveurs ou des objets à me faire visiter. Et qu'est-ce que c'est que la voiture rouge les frérots. Oh là là, j'en reviens pas, la Bugatti elle est vraiment trop belle. Ben voilà la famille, hein. Sur ce... La voiture rouge, j'ai une petite surprise à l'intérieur. J'essaierai de vous voir si vous êtes vraiment chaud dans les commentaires et vous manifestez. S'il y a beaucoup de commentaires sur la voiture rouge ou quoi, on vous fera voir la petite visite à l'intérieur. N'oubliez pas, dans la description, il y a la chaîne à mon petit Curuxo. Si vous voulez bien lui mettre un petit like, s'abonner à lui, lui mettre un petit hashtag Brutti dans sa dernière vidéo, ça lui donnera du peps pour continuer les vidéos et lui faire du bien pour cet été, comme ça il va tout déchirer. Sur ce, ma petite biche, je te remercie Curuxo, c'est vraiment sympa parce que ça me permet de faire une vidéo puis en même temps de voir des trucs que j'ai pas l'habitude de voir. Si merde mon frérot. T'as géré la famille. Merci à toi de m'inviter sur ta chaîne déjà. Moi, de rien pour toi. Tu mérites, t'es vraiment tellement gentil. Sur ce la famille, moi je vous dis ciao ciao. N'oubliez pas de me donner la note sur 10 pour le Bugatti. De me donner la marque du véhicule rouge. Et de me dire votre voiture préférée les frérots. Sur ce, je vous dis toute chose. Merci à Curuxo. Si vous voulez m'ajouter sur Twitter et Instagram, c'est gtabouti-mpg la famille. Tu veux faire un petit pub pour ton Instagram ou Twitter Curuxo? Eh ben, mon Instagram c'est Curuxo, K-U-R-U-X-O, tiré du bas, YTB, YouTube. Voilà la famille, je le mettrai tout dans la description. Sur ce, merci à vous tous, tchuss tchuss la famille, n'oubliez pas les petits pouces bleus.